bien, je suis très heureux et très impressionné et ému de me trouver parmi vous parce que Jean Boissonnat non seulement a défini mon sujet, gérer la violence, et c'est ce dont je vais parler, mais il m'a dit avant d'entrer, vous allez vous trouver au milieu de votre public, ce qui est un... le public de mes vrais lecteurs. Je suis persuadé que c'est vrai. Et parler de la violence est d'autant plus difficile pour moi que c'est en quelque sorte comme une espèce de rendez-vous que j'ai pris il y a 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, à certains points de vue, on pourrait dire l'heure décisive pour la violence est arrivée, ou toujours, elle est toujours en train d'arriver, n'est-ce pas? Gérer la violence, c'est effectivement la façon dont je conçois les institutions humaines, à commencer par le religieux. Et j'ai l'impression qu'il y a un échec de l'anthropologie moderne, cette anthropologie moderne qui a duré un siècle à peu près, entre 1850 et 1950, et cette anthropologie moderne s'intéressait beaucoup aux religieux. Elle s'intéressait à la culture, elle a tout de suite compris que pour saisir la culture, il fallait aller aux religieux. Et que le religieux archaïque, c'est ce qui l'intéressait bien sûr, le religieux archaïque, c'est essentiellement le sacrifice. Donc l'anthropologie qui commence avec les Anglais, Robertson Smith, Tyler avant lui, des gens comme Fraser, est essentiellement une anthropologie du sacrifice. Et je crois que cette anthropologie du sacrifice culmine dans la théorie française de l'école de sociologie de ce Durkheim, au fond, qui a été un peu malmené par tout le monde, peut-être parce qu'il a dit quelque chose de terriblement profond, qui est le religieux et le social, c'est un peu la même chose. Il n'a pas dit c'est exactement la même chose, mais il a dit le religieux et le social sont dans un rapport d'intimité tel que je ne peux pas les distinguer. Et la plupart des gens ont mal pris ces formules de Durkheim. Les chrétiens ont généralement dit que Durkheim réduisait le religieux au social. Mais les chercheurs objectifs, positivistes, ont dit le contraire. Ils ont dit que Durkheim réduisait le social au religieux, que c'était une espèce de mystique, ce qui aurait bien surpris les critiques de Durkheim dans les années 30, par exemple, où il était très attaqué par les catholiques en particulier. Je crois que Durkheim, c'est le sommet de la théorie anthropologique de l'époque. Et à partir de Durkheim, à mon avis, cette théorie a décliné, où les anthropologues se sont découragés. Durkheim n'a peut-être pas abouti complètement dans son entreprise, précisément parce qu'il n'a pas considéré le rôle de la violence. Une discipline qui se veut scientifique, et l'anthropologie se veut scientifique, et elle ne peut pas faire autrement, et il faut se vouloir scientifique quand on fait de l'anthropologie, est avant tout à la recherche, pour commencer, d'un invariant, de quelque chose qui se retrouve dans toutes les formes religieuses. Et cet invariant, elle ne l'a pas trouvé, peut-être parce qu'elle n'a pas osé le trouver. Et elle n'a pas osé le trouver, au fond, parce qu'elle restait beaucoup trop influencée. Elle avait raison, par certains côtés, d'être influencée par la théorie des Lumières, qu'il ne faut pas rejeter, mais elle était influencée par l'idée de la bonté de l'homme, et par conséquent, le rapport du religieux à la violence, Durkheim en a parlé, mais l'a toujours traité comme une chose secondaire. Il n'en a jamais parlé de façon vraiment radicale, n'est-ce pas? Il a prononcé des mots comme « effervescence ». Il a dit que le religieux devait naître dans l'effervescence de groupes humains qui se réunissaient pour des cérémonies qui, au fond, étaient déjà rituelles.
Donc Durkheim a tendance à se trouver dans un cercle, n'est-ce pas, dont il ne peut pas sortir. La violence est circulaire et il n'ose pas, à mon avis, aller jusqu'au bout et dire le religieux doit naître de la violence par la violence. Et il est d'une certaine manière ce qui interrompt la violence. Mais ce qui interrompt la violence au premier stade de l'humanité, si nous acceptons les théories actuelles, et au fond, la vieille anthropologie était très conceptuelle, mais aujourd'hui, elle est obligée de se situer sur arrière-plan de darwinisme et la théorie de la vie telle que Darwin l'a conçue. Et en France, c'est au fond le mouvement contraire qui s'est produit. À partir de la linguistique, à partir des tentatives philosophiques de ce qu'on appelle la déconstruction, eh bien, l'anthropologie s'est détournée de plus en plus du réel, et c'est une des raisons, le titre de mon livre, La voie méconnue du réel, est au fond un commentaire sur la période qui va de 1950 à l'an 2000. Lévi-Strauss restait réaliste, et il se voulait scientifique, il cherchait une théorie scientifique des mythes, il avait parfaitement raison, mais il détestait les grands problèmes, il détestait la définition de l'homme qui sortait des Lumières, elle aussi, mais qui permettait de poser les questions anthropologiques de façon fondamentale, de se demander, par exemple, qu'est-ce que le sacrifice ? Aujourd'hui, on ne peut plus se demander qu'est-ce que le sacrifice, parce qu'il n'y a plus d'homme, n'est-ce pas ? On ne peut plus se demander même qu'est-ce que le religieux ? Même dans des périodiques à tendance religieuse, on trouve aujourd'hui des gens qui disent peut-être que le mot religion, religieux, devrait être supprimé parce qu'il ne signifie rien. Il y a bien entendu des institutions qui sont liées à ce qu'on appelle le religieux, mais elles sont tellement différentes les unes des autres qu'essayer de constituer une catégorie unique qui serait le religieux est faux. Et cette tendance, bien sûr, est toujours présente parmi nous, et même, on peut dire, elle est dominante. Lorsque j'ai commencé mon travail, qui évidemment tient pour acquis qu'il existe une unité de l'homme, de l'humanité, de ses problèmes, etc., je passais pour extrêmement démodé. Mais aujourd'hui, on voit même chez les chrétiens une tendance à adopter ce point de vue relativiste, d'une espèce de relativisme tellement radical, n'est-ce pas, qu'il devient impossible de parler littéralement de quoi que ce soit. Et à partir du moment où les grandes questions s'en vont, la science s'en va aussi, et de nos jours, maintenant qu'on a déconstruit l'anthropologie, on retombe souvent dans un impressionnisme qui me paraît assez ennuyeux, dans la mesure où il ne pose aucune question. On parle sur les dieux grecs ou les dieux païens, etc. Mais on ne va nulle part, parce qu'au fond, personne ne se pose les questions fondamentales qui sont pour nous, évidemment, notre destin. Que faisons-nous sur cette terre ? Pouvons-nous parler au nom de quelque chose comme l'humanité ? Dieu existe-t-il ? Etc. Ce sont des questions qui n'ont plus de sens. Et il y a certains chrétiens aujourd'hui qui sont tentés par cette attitude. Pourquoi ? Parce que si la vieille anthropologie a fait une chose, c'est qu'elle a constaté, et de façon très juste, qu'il existe des ressemblances extraordinaires entre les religions archaïques, ces religions archaïques dont nous pensons aujourd'hui qu'elles peuvent remonter à, nous ne savons pas, elles étaient déjà là à l'époque des grottes de Lascaux et de Chauvet, peut-être elles remontent à 100 000 ans, peut-être dans quelques années on découvrira qu'elles sont encore plus vieilles, n'est-ce pas ? Mais nous savons que la plus grande partie de l'humanité s'est déroulée sous le signe de ces religions archaïques qui sont des religions dont on recommence à dire aujourd'hui quelles sont des explications fausses de l'univers, de la présence de l'homme sur cette terre. Et c'est au fond la vieille explication d'Auguste Comte qui reparaît, vous savez, les trois âges de l'humanité. Il y a d'abord l'âge religieux où les hommes sont complètement
stupides et ne disent que des bêtises. Puis ensuite, il y a l'âge philosophique, métaphysique, où ils sont un petit peu... Et puis ensuite vient l'âge d'Auguste Comte lui-même, c'est-à-dire l'âge de la science, et enfin, la vérité advient. Et aujourd'hui, les gens parlent de religion archaïque en termes de croyance. À mon avis, c'est très faux, parce que les religions archaïques ne vous demandent pas de croire quoi que ce soit. Elles vous demandent de ne pas faire certaines choses et de faire certaines autres choses. Elles vous demandent de ne pas faire de violence dans la communauté et elles vous demandent de faire des sacrifices, c'est-à-dire une certaine forme de violence. Par conséquent, il semble y avoir ici une contradiction qui fait qu'au fond, finalement, l'anthropologie a fui ses problèmes. N'est-ce pas ? Mais l'essentiel, c'est de voir que la structure des religions archaïques est toujours la même. Tout commence par une crise violente. Et cette crise, nous la voyons dans les mythes. Les mythes ne sont pas... Les mythes sont le récit de la façon dont un culte s'est institué. Et ils commencent tous par une crise violente. Cette crise peut prendre diverses formes. Dans le mythe d'Œdipe, c'est la peste. Dans d'autres mythes, ce sera une catastrophe naturelle. Dans d'autres mythes encore, ce sera un dieu qui demande trop de victimes ou un monstre comme le Minotaure qui dévore la communauté. N'est-ce pas? Comme si le sacrifice était devenu fou. Et d'ailleurs, je crois que ça arrive. Et effectivement, mais c'est toujours une crise. Et cette crise se termine toujours de la même manière. Elle se termine par un drame où, en règle générale, mais on ne peut pas dire ceci de façon absolue, la communauté tout entière se rue sur une victime et la détruit. Alors, dans la religion grecque, bien sûr, le plus caractéristique de ce type de religion, c'est le dionysiaque. Le dionysiaque, vous savez, très à la mode depuis Nietzsche, et on nous parle sans cesse de lui, sans jamais nous dire l'essentiel. Chaque mythe dionysiaque est centré sur un meurtre collectif. Et les rites dionysiaques consistent à dépecer vivante une petite victime, ce qui est refaire l'acte qui se trouve dans ces mythes. N'est-ce pas ? Alors maintenant, si vous regardez le christianisme, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que ça ressemble beaucoup par la forme à ces mythes archaïques. Vous avez une crise au début. Et là, nous savons que cette crise est réelle, qu'elle est historique, parce que c'est la crise du petit État juif qui est peu à peu dévoré par les Romains, et ça finira très mal, puisque ça finira par la prise de Jérusalem, la destruction du Temple en 70, et un peu plus tard, la destruction totale de l'État juif. Et nous avons, bien sûr, un drame central, un drame terminal, qui est la crucifixion de Jésus. Et les deux sont d'ailleurs reliés. Si vous prenez par exemple dans l'évangile de Jean, la parole de Caïphe qui dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que le peuple tout entier soit sauvé », n'est-ce pas ? Il est bien évident qu'il y a une mise en rapport de cette crise et de la mort de l'individu. Caïphe nous donne une espèce de définition, à mon avis, du sacrifice au sens archaïque, ou peut-être aussi de la politique. Hein ? Toute décision dans notre monde, nous ne pouvons pas nier que nous soyons toujours dans le sacrificiel, consiste à essayer d'avoir le plus petit nombre de victimes possible. Et loin de condamner Caïphe de façon absolue, nous n'en avons pas le droit, parce que chaque fois que nous prenons une décision, vous savez, même un professeur qui a deux étudiants à peu près équivalents et qui n'a qu'une bourse, il doit bien sacrifier un des deux étudiants pour que l'autre profite de cette bourse. Donc il est très exactement dans la situation de Caïphe, avec un problème un peu moindre. Mais la décision, d'ailleurs le mot « décision » lui-même, vient du mot « décidéré » qui veut dire « trancher la gorge de la victime ». Le sacrifice et la décision sont liés en toute chose. Donc il ne faut pas croire que nous soyons dans des problèmes faciles et qu'on peut résoudre facilement. Mais donc nous avons cette même structure. Et par conséquent, l'anthropologie, lorsqu'elle existait encore, disait, et c'était son but principal, parce que l'anthropologie existait à cette époque anticléricale où il s'agissait au fond essentiellement de démolir le christianisme. Et on espérait que très vite, on arriverait
à un résultat aussi spectaculaire que Darwin en biologie. On arriverait à démonter les religions de telle façon qu'on pourrait montrer qu'elles sont toutes équivalentes et que le christianisme est un mythe comme les autres. Et vous avez effectivement, je le répète, cette structure. La raison pour laquelle aujourd'hui les chrétiens sont parfois assez favorables au nihilisme anthropologique de notre époque, les chrétiens à la page, c'est précisément qu'ils n'ont jamais aimé cette tendance de l'anthropologie, à juste titre. Ils s'en sont méfiés. Ils ont dit tout ce qu'on veut prouver lorsqu'on parle de l'homme en général, du sacrifice en général, c'est que le christianisme est une religion comme les autres, qu'il n'y a pas de vraie différence entre elles et par conséquent qu'il n'y a aucune raison de croire que la seule raison pour laquelle les chrétiens sont des chrétiens, c'est ce fameux ethnocentrisme qui est si à la mode, n'est-ce pas, l'idée que chaque peuple se préfère lui-même et voit dans ses propres institutions, sa propre religion, quelque chose d'unique. Le christianisme serait tout à fait identique aux autres religions dans cette tendance. Et on peut dire aujourd'hui, au fond, que beaucoup, la tendance moderniste, vous savez, la tendance moderniste qui joue un tel rôle au XXe siècle, parce que si on est conservateur, au fond, on pense que le Concile et l'Église actuelle, d'une certaine façon, ont cédé au modernisme. Des gens comme Loisy, au début du siècle, étaient très influencés par cette vision anthropologique qui percevait l'unité du religieux. Alors aujourd'hui, on est dans la fragmentation totale qui supprime les problèmes. On a remplacé l'unité par la dispersion absolue. Et d'une certaine manière, beaucoup de gens à tendance spiritualiste et religieuse se disent « peut-être ça vaut beaucoup mieux qu'avoir une théorie de religieux. Il est bon d'être débarrassé des théories du religieux. » Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Moi, je pense qu'il y a une possibilité de science de l'homme. Autrement dit, que c'est quelque chose de très profond et que certaines découvertes de l'anthropologie 1850-1950, qu'on peut appeler l'anthropologie classique, si vous voulez, il y a un échec de cette anthropologie, je pense, parce que précisément, elle n'a pas découvert que le nœud de l'affaire, c'était la violence. Et à ce sujet, j'ai développé une thèse qui est parfaitement naturaliste, matérialiste, qui n'a absolument aucun aspect religieux. C'est d'ailleurs pourquoi, pendant pas mal de temps, les chrétiens voyaient dans ma tentative anthropologique quelque chose de très dangereux et qui retombait visiblement dans ce qui paraissait être les défauts et l'impuissance ou la tendance profondément antichrétienne de l'anthropologie de classique, n'est-ce pas ? Et alors la question vraiment, c'est de savoir que signifie ces ressemblances extraordinaires entre le religieux archaïque et le religieux chrétien. Alors, à mon avis, ce qu'il y a, il faut placer les choses au départ sur la question de la différence entre l'animal et l'homme. Nous savons que les animaux sont mimétiques, qu'ils s'imitent les uns les autres, en particulier les primates supérieurs, n'est-ce pas, les singes qui sont tellement imitatifs qu'ils nous font rire, car ils sont quand même moins bons imitateurs que nous. Et nous... Allez, Aristote est d'accord, puisqu'Aristote a une formule extraordinaire qui est tout à fait moderne. Il dit « l'homme est le plus mimétique de tous les animaux ». Alors je pense que ce que la vision classique de l'imitation n'a pas vu, c'est que l'imitation couvre tous les champs d'activité de l'homme, et en particulier les appétits. Chez les animaux, ils se disputent, ils rivalisent entre eux lorsqu'ils trouvent le même objet, lorsqu'ils ne se connaissent pas, et pour la première fois, ils trouvent le même objet, le même partenaire sexuel, ils se disputent le même territoire, mais ça finit très vite, ils s'entendent très vite, et ils forment ce type de société animale qu'on appelle les réseaux de dominance. L'animal battu se soumet, et l'animal triomphateur, le dominant, se passera toujours avant l'autre. Parler de culture, comme font les spécialistes des animaux, c'est peut-être un petit peu exagéré,
Mais quand même, il y a quelque chose là qui annonce la culture de l'homme et qui est très différent. À mon avis, ces réseaux de dominance deviennent impossibles lorsque le mimétisme devient tel que les hommes sont incapables de céder. La violence devient littéralement infinie. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, sans doute, qu'on invente ce qu'on appelle la vengeance. La vengeance n'est pas une institution, c'est presque un phénomène, on ne sait pas si c'est biologique ou culturel, mais c'est spécifique à l'homme. Il n'y a pas de vengeance chez les animaux. Si la vengeance existe, si elle est infinie, il est bien évident que l'homme devrait se détruire lui-même tout de suite, au départ, avant d'exister vraiment en tant qu'homme. Et alors, c'est à ce moment-là, je pense, qu'il y a ces crises de rivalité mimétique dont j'ai parlé, ces crises qui restent là dans les mythes relativement modernes que nous possédons, mais dont il doit y avoir des ancêtres qui remontent très haut, très haut, très haut, jusqu'aux limites de l'animalité et de l'homme. Et ces crises se résolvent comment ? Eh bien, sans doute pour des raisons que purement mécaniques, parce qu'à partir du moment où les hommes se disputent des objets, ils ne peuvent jamais s'entendre. Mais les objets, si vous voulez, la lutte va devenir si intense que les objets vont disparaître, ils vont se perdre, etc. Il n'y aura plus que des rivaux. Et à partir du moment où il n'y a plus que des antagonistes dans un groupe, eh bien, on peut être certain qu'il y aura certaines formes de réconciliation. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la politique, hein, et c'est aussi le phénomène du bouc émissaire. À partir du moment où il n'y a plus que des antagonistes, le flux mimétique, si l'on peut dire, peut devenir cumulatif, au lieu d'être seulement la fragmentation de la communauté, et se porter finalement sur un individu quelconque, et cet individu quelconque apparaît comme coupable de la crise, et par conséquent, à partir du moment où il est massacré par toute la communauté, et si vous regardez les mythes, vous avez un nombre très important de mythes où la violence est collective, contre cette victime unique. Donc, il y a un passage mécanique, à mon avis, du tous contre tous au tous contre un, à la victime unique qui réconcilie la société. Et à partir de cette définition du phénomène que je prétends être fondateur, je suis obligé d'aller très vite là, je pense que le sacrifice rituel devient très compréhensible. Les communautés réconciliées par leurs victimes vont changer d'attitude vis-à-vis de cette victime. Ils la voient toujours comme responsable de la crise. Autrement dit, Œdipe a réellement commis un parricide et un inceste. Mais elle est maintenant responsable de la réconciliation. Et par conséquent, la victime coupable va devenir une divinité. Une divinité de quoi ? Dans le cas d'Œdipe, c'est bien simple. Divinité du mariage. Hein, des règles de mariage qu'il a enfreint lui-même et qu'il a instituées d'une certaine façon en les enfreignant, ce qui est à la fois absurde et très profond quant à la genèse du religieux et du social. Alors, à partir de ceci, il est bien évident que les ressemblances avec le christianisme sont plus fortes que jamais, puisque le Christ, si vous regardez la Passion, n'est-ce pas ? Vous vous apercevez tout de suite que c'est un phénomène incroyablement mimétique. Par exemple, le reniement de Pierre, il est bien évident que l'interpréter de façon psychologique, comme on fait toujours, dire ce pauvre Pierre, il était très influençable, etc. Autrement dit, si j'avais été à sa place, j'aurais résisté à la tentation de me tourner contre le Christ. En réalité, ce qui se passe, c'est que dès que Pierre se trouve dans un milieu, une foule hostile à Jésus, ce qui est le cas dans la cour du grand prêtre, il devient lui aussi hostile. Et il est là en tant que meilleur des disciples. Il les représente tous. Personne n'est capable de résister au mimétisme de la foule, à ce mimétisme meurtrier. Et la preuve, c'est Pilate. Pilate voudrait bien sauver Jésus, mais il a tellement peur de la foule en sa qualité de politicien que le bon politicien est celui qui obéit à la foule en faisant semblant de la guider. Et c'est ce que fait Pilate. Mais l'imitation la plus caricaturale et qui est presque comique dans son tragique extraordinaire, ce sont les deux crucifiés, les deux co-crucifiés de Jésus qui se tournent l'un et l'autre vers la foule et qui essayent d'imiter la foule, au fond pour se faire croire à eux-mêmes
qu'ils ne sont pas crucifiés. Ils vocifèrent avec la foule. Ils imitent la foule. Autrement dit, l'autre face de l'isolement extraordinaire de Jésus et du « pourquoi m'as-tu abandonné ?», la face anthropologique, c'est l'unanimité mimétique du phénomène de bouc émissaire, qui est représenté dans la Passion d'une façon qui n'a d'équivalent nulle part. Autrement dit, c'est la même chose que les mythes, mais c'est le mythe qui vous complètement expliqué. Alors, les anthropologues sont ravis parce qu'ils ne connaissent au fond que la logique du concept. Et ils se disent, pour que le christianisme soit vraiment différent des autres religions, il faudrait qu'il parle d'autre chose. Eh bien non. Le christianisme parle de ce qui est essentiel dans l'homme, c'est-à-dire du fondement religieux des sociétés, qui est aussi le fondement de la culture. Donc il doit parler la même chose que les mythes, n'est-ce pas? Et c'est à partir du moment où on voit cette identité de sujet, donc ces rapports extrêmement proches entre la mythologie et le christianisme, que tout à coup, la différence devrait apparaître. L'extravagance, c'est que la différence ne soit pas encore apparue, que nous ne soyons pas capables de la formuler. Et elle est parfaitement évidente, cette différence. C'est que dans les mythes, même si les coupables sont finalement divinisés, ils sont avant tout coupables. Lorsqu'on parle du mythe d'Œdipe, on pense au parricide et à l'inceste. Et le parricide et l'inceste nous paraît plus vrai que jamais aujourd'hui, et c'est la preuve que nous sommes dans le mythe, puisque presque tout le monde croit en la psychanalyse. Ce qui n'est rien d'autre que de croire au parricide et à l'inceste, au lieu de croire au fond à une certaine innocence aussi de l'homme qui est là. Et la différence essentielle de Jésus, c'est que la passion vous présente la victime non pas comme coupable, mais comme innocente. Autrement dit, la passion est le seul mythe qui sache que la victime est un bouc émissaire. Donc c'est la seule façon de détruire les mythes, de les aplatir, de les anéantir complètement, c'est de montrer qu'ils sont faits de l'inconscient du bouc émissaire. Avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on l'a. Alors les gens qui vous disent aujourd'hui « Mais le religieux chrétien et judaïque est incroyablement violent, il y a de la violence partout », bien sûr. Parce que le religieux chrétien est celui qui révèle une violence que les mythes ne révèlent pas. Pourquoi? Lorsque ce sont les violents qui parlent de leur violence, elle n'apparaît comme, jamais comme violence. Elle apparaît comme justice. Autrement dit, Œdipe est condamné justement. Et alors, si vous regardez l'Ancien Testament, à la lumière du Nouveau ici, vous comprenez pourquoi les chrétiens ne peuvent pas, absolument pas, se passer de lui. Parce qu'il est le premier grand système religieux qui ait lutté contre le mythe, le caractère essentiellement mythique des textes religieux. Prenez l'histoire de Joseph, par exemple. Vous avez 12 frères, donc c'est une foule. Et ces 12 frères expulsent le 13e. Un mythe, vous direz, vous raconterez l'histoire que les 12 frères racontent au père lorsqu'ils reviennent. Ils parleraient de sacrifice. La Bible se rend compte de ça. Mais la Bible vous dit, ce sont les païens qui croient ça, parce qu'ils ne comprennent rien. Ils sont très au-dessous de nous culturellement. Nous savons que c'est faux. Nous savons que les frères sont jaloux de Joseph. Regardez le livre de Job. Le livre de Job, c'est un Œdipe au fond. Job a été adoré par sa communauté pendant longtemps. Tout à coup, elle se retourne contre lui. Et en la personne des 3 faux amis, elle demande à Job de reconnaître sa culpabilité. Et Job ne veut jamais marcher. C'est pourquoi ce texte est dans la Bible, n'est-ce pas? Parce que ce texte s'élève contre la fausse culpabilité du bouc émissaire. Dans les psaumes, vous avez tous ces textes où le narrateur est entouré par une foule qui menace de le lyncher. Moi, je dis, ce sont des mythes à l'envers. Ce sont des mythes où, pour la première fois, au lieu de la foule qui parle, la victime parle, n'est-ce pas? Et certains d'entre eux remontent très haut. On pourrait donc dire que le mythe est comme une fourrure magnifique, n'est-ce pas, bien lustrée, et on ne voit absolument pas de violence. Mais la Bible et les évangiles retournent le mythe, et c'est la peau sanglante de la victime qu'on aperçoit, au lieu de cette surface de la culture qui paraît toujours innocente, alors qu'en réalité,
elle cache en son sein le meurtre fondateur. À partir de ceci, vous voyez très bien que les évangiles sont parfaitement uniques, et que tout ce qu'il y a de grand dans notre démarche culturelle moderne, qui consiste à démystifier, au fond, certains aspects culturels, et en particulier à nous soucier, nous sommes la première civilisation qui se soucie des victimes. Et tout ceci, forcément, vient des évangiles. Nous ne les avons pas compris conceptuellement, mais ils sont faits de telle façon qu'ils nous influencent souterrainement depuis 2000 ans. Mais en même temps, il y a une rançon à ceci, bien entendu, c'est le fait que pour vivre dans un univers qui nous prive des protections sacrificielles dont jouissent toutes les sociétés archaïques, n'est-ce pas ? Et c'est ce que fait le christianisme, qui retire lentement les garde-fous sacrificiels de la culture. Pour vivre dans une telle culture, il est bien évident qu'il faut renoncer soi-même à la violence. Et il ne faut pas renoncer seulement à l'initiative de la violence. C'est ce qu'on fait dans la diplomatie, mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas ? Il faut renoncer inconditionnellement à la violence. Donc la suppression du sacrifice et l'offre du royaume de Dieu dans les évangiles ne sont qu'une seule et même chose. Ce n'est pas une offre conditionnelle, optionnelle, n'est-ce pas ? Nous le ferons. C'est une offre absolument nécessaire. Et le thème apocalyptique, c'est très évidemment ce qui risque de se produire si les hommes n'acceptent pas les conditions de cette espèce de contrat qui est le contrat du royaume de Dieu. Si les hommes persistent à se conduire comme ils l'ont toujours fait, n'est-ce pas, la violence de tous les âges passés, à mesure qu'ils comprendront mieux, va retomber sur leur tête. N'est-ce pas ? C'est d'ailleurs pourquoi vous avez cette phrase extraordinaire dans les évangiles. Toutes les victimes de l'univers, toutes les victimes de l'histoire vont retomber sur cette génération. Ce sont des phrases, au fond, que les théologiens n'ont jamais commentées et qu'il faut peut-être situer sur le plan de la religion sacrificielle pour les comprendre. Parce qu'il ne faut pas voir cette relation de façon univoque, n'est-ce pas, comme une condamnation par le christianisme du sacrificiel. Il est bien évident que si la révélation est vraie, le sacrificiel était absolument nécessaire pour faire de cet animal sauvage, qu'était le prédécesseur de l'homme, une créature capable d'entendre le message chrétien. Par conséquent, une notion très importante dans le christianisme, c'est l'heure du Christ, n'est-ce pas, qui doit venir à un moment où le message devient audible, n'est-ce pas ? Donc c'est toute une conception de l'histoire qui est là. Et aujourd'hui, bien sûr, cette plainte perpétuelle que les hommes adressent au christianisme en lui reprochant de ne pas avoir modéré la violence, de ne pas, est une d'une arrogance, au fond, invraisemblable. Parce que ce sont les hommes qui traitent le religieux, au fond, comme une autre forme de technique, ou une autre forme de consommation, où le religieux est là pour nous protéger de la violence. Ces plaintes sont de cet ordre. Mais à cette proposition, il faut répondre, évidemment, par les paroles les plus sensationnelles, si l'on peut dire, et les plus paradoxales du Christ, qui sont « Si vous croyez que je suis venu apporter la paix, vous vous trompez. C'est la guerre que je vous apporte. Désormais, le père sera l'ennemi de son fils, la fille de sa mère, la bru de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison. » On peut se demander aujourd'hui si le fait que ces textes ne sont pas utilisés dans les circonstances actuelles, dans le moment où nous nous trouvons, ne pose pas un problème extrêmement grave de savoir si nous serons capables de ressaisir, si vous voulez, la contemporanéité incroyable du christianisme, mais qui exige de nous quelque chose de formidable, c'est que nous cessions de considérer que nous rassurer
sur ce qui est en train de se produire est plus important que le sens, la vérité qui est peut-être là. À mon avis, jamais l'Évangile n'a été plus prometteur sur le plan du sens, de la signification vraie qu'aujourd'hui. Mais cela exige de nous un certain courage qui fait visiblement défaut à notre culture à l'heure actuelle. Merci.